une collection de tomates dans le cadre du salon de l'agriculture. Je crois que la première de la collection, c'est une petite barquette. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la fameuse tomate cerise qui est très prisée sur les marchés depuis pas mal de temps et qui se commercialise de plus en plus. Elle est très appréciée et très goûtée. Ensuite, vous avez la tomate Mirabelle qui se consomme un peu moins que la cerise mais qui trouve sa place sur le marché aussi. Vous avez une nouveauté. Depuis l'an dernier, la tomate marzounette qui est un peu allongée, bien rouge et très savoureuse aussi. Ensuite, vous avez une nouveauté, là encore, la tomate grappe orange. Vous voyez, elle a une couleur particulière. Vous avez la tomate sauterelle qui est très prisée aussi et qui est connue. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et elle se commercialise très bien aussi. Nouvelle depuis 2 ou 3 ans, la tomate Sumato, qu'on trouve maintenant à peu près partout sur tout le détail. Ensuite, une collection de variétés anciennes. Vous avez la tomate cœur de bœuf, qui est très prisée depuis quelque temps. Nouveauté, la tomate jaune en grappe. Et puis d'anciennes variétés que nous testons sur le marché, la rose de Berne, vous voyez, elle a une couleur très particulière si vous la comparez à la cœur de beurre, et les roses. Une forme particulière, je l'ai coupée, regardez si elle est charnue. C'est une excellente tomate. Vous voyez la tomate ananas, qui a une couleur particulière, qui est très douce. Vous avez la noire de Crimée, qui est une très vieille tomate aussi, que nous testons sur le marché. Il y a pas mal d'amateurs aussi pour cette tomate-là. Une nouveauté, la tomate lycopène. C'est-à-dire qu'elle contient 2 fois plus de lycopène que les autres tomates. Qu'est-ce que le lycopène? Ben, d'après les scientifiques, c'est un anti-promoteur de cancer. Donc elle est intéressante. Et le tout de la collection, c'est la fameuse Barmande, la tomate, la Barmande originelle, plate et côtelée. Je pense qu'elle va faire un tabac sur le marché, et excellente. Comme sa réputation, la réputation Barmande provient de cette variété-là.